Alain Petit. Nous voulons déjà remercier tous ceux qui nous ont aidés dans l'accomplissement de ce mouvement que nous avons voulu faire cette semaine. Tous les arbitres, tous nos amis, la population carcérale, les équipes, les cellules, tous ceux qui ont participé d'une façon ou d'une autre, nous voulons leur dire merci. Nous avons voulu retenir certains prix aujourd'hui et nous voulons déjà vous dire que la coupe qui est célébrée ici est, n'est-ce pas, c'est une initiative d'un grand homme, un homme de cœur, un homme que nous voulons vous présenter encore ici pour ceux qui ne maîtrisent pas. Nous voulons vous présenter le promoteur de ce championnat, de cette coupe, en la personne de M. Bayan Dadi. C'est grâce à lui que nous jouons ici aujourd'hui. Et c'est lui qui a eu l'idée d'organiser cette coupe. Il participe d'une façon ou d'une autre à votre encadrement. Par ce geste, nous voulons le remercier et nous prions à ce grand homme, nous prions ce grand homme pour pouvoir bien nous prendre la place. Nous vous remercions. Le meilleur gardien de la coupe. Le meilleur gardien de la coupe. Je voulais appeler ici Yassine Christophe pour le prévenir. Le bisou. Ah, what a little bizarre. Qui est chargé de priver notre meilleur joueur. Le meilleur joueur du championnat de la Coupe. Je voudrais appeler ici Emma Marcel. Encore à elle que revient l'honneur de primer aussi notre meilleur buteur. Je vous rappelle que ce garçon a marqué à lui seul 12 buts. 12 buts Calvin. Sur les 90 buts de cette coupe. Tu es Alvin Loi. Aroni Baka, Alfred Kam. La troisième équipe de cette coupe, c'est l'équipe de Prévenu E. Prévenu E. Et son prix sera remis par le PDAC. La deuxième équipe finaliste, c'est l'équipe de Prévenu C. Prévenu C et son prix est remis par le chauffage. L'équipe vainqueur de cette édition 2020.
remis par notre promoteur. Voici l'élégance. Oui, ça. Il y a pas de gens, il y a pas de gens. Celui qui n'applaudit pas.